Télévision, votre humble serviteur, président Mustapha, tu es tout sur la rabino, c'est l'actualité politique au Isokole Kanakati, la République démocratique du Congo. Voilà, fumée blanche, fumée noire, à la porte de Kigali, Kagame pleure, l'Est de la République démocratique du Congo, les Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, à la porte de Rubavu, les Rwanda et les M23 en débandade. Développer bas CGO Yomibane, fumée noire à la porte de Kigali, forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalendo à Rubavu. Qu'est-ce qui se passe à Kigali? Gilles Paluku frappe fort. Vital Kamerhe amena le choix, soit la révision de la constitution ou Kamerhe tombe à l'Assemblée nationale. Andi konangai ba congolais ba des pères et des mères toko solo la mouke pendant 25-30 minutes na ba actualité politique au Congo le Canada Est et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Est-ce que Kagame a recommandé 2025? Parce que na kati ya Rwanda rébellion et botemili forces armées de la République démocratique du Congo na ba wazalendo bazo beta ba M23, na minute au deux camps, le M23 veut maintenant retour au Rwanda pour chasser Kagame. Yé moko koto Kagame et balouke lié na classe politique rwandaise. Toko yeba, nani atindi Frank Diongo. Frank Diongo bomoni, bake kosa la sabotage na niveau ya Conseil des Nations Unies à droits de l'homme. Tomonika ka Frank Diongo Jean-Claude Vemba baké créé trouble na kati ya sommet ya droit de l'homme au Salé Mibongo na Genève. Bande konanga ba congolais lelo tokoyé ba vraie version awawa bokoyé ba vraie version sur les Aleph Nalu banalu bazalaki na kati ya République démocratique du Congo na Uganda na nini na Ituri na Butembo na Beni ba Adef Nalu ba banaki ko vivre na ba congolais ensemble bazalaka ba bilanga na bango bazalaka ba affaire na bango mais on était surpris les Adef Nalu bazui en plaire yakobanda ko gorger ba congolais yakobanda ko massacrer ba congolais. Si il y a des massacres au Nord Kivu, le moteur des massacres au Nord Kivu, c'est qui? Bande konanga ba congolais, moteur ya massacre au bande ko sali mana Nord Kivu. Eza bongo ndeko Delphine Kayimbi na Joseph Kabila. Le nombre koye ba été, elbiso ba congolais, le peuple congolais de père et de mère. Ba bandi ko tia Joseph Kabila pression. To bandi ko tia Kabila pression na 2015 élection et salim. Kabila luki moyen nini a ko retarder pour élection et salimaté. Parce que Kabila ne voulait pas que élection et salimaté en République démocratique du Congo. Le lobe en déconnant pas congolais. 2016, tout ça Kabila pression. Il faut alternance et salimaté au sommet de l'État. Il faut tous bunda. Bonne alternance et salimaté. Le cola Kabila a l'ingaki. Alternance et salimaté, Kabila ne voulait pas qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. Pendant l'État, pendant que Bissoba Congolais, Tozobunda, de gauche ou droite, que Kabila doit partir, élection fait salima, tant que ça dit sa élection, Kabila a kende,
Koto yo Kabila ba créer a te ko créer moyen o ezake pour a se matérialiser dans pouvoir a te a créer bitumba efungwa bana est ndebo ko bona ete tina na yango ba adef nalu ba bandi bitumba le nalu Babanaki déjà kozana Nord Kivu. Bazalaki na Beni, bazalaki na Mambasa, bazalaki na Irumu. Basalaka bilanga na bango, basalaka ba fer na bango, batambulaka na bango. Bazalaka à l'aise ensemble avec la population. Avec le peuple congolais, avec la communauté Nande, avec les Bahema, avec toutes ces communautés là, bazalaki na bango ensemble. Totika la koyoka te. Que ba adef bazo ko massacrer ba congolais que les nalu bazo ko violer ba femme congolais dès que Kabila sent ce sang pouvoir naye et aussi laye peuple congolais a télémédié il faut atika pouvoir Kabila doit partir tina na yango Kabila prend Kayimbi atindie na Nord Kivu Delphin Kayimbi atindie na Nord Kivu. À l'époque, pendant que Delphin Kayimbi a été Nord Kivu, a été recruté, a été la initiative, que les Nalu, les ADEF, ba banda sikoyo bitumba, ba créer insécurité na Nord Kivu, ba créer insécurité na Ituri, ba banda ko engorge ba population. Pendant que Kabila, disait pour laquelle le fruit de l'insécurité à l'Est, le fruit, le chef direct des ADF Nalu, le chef direct des ADF M2M, c'est Joseph Kabila et Delphin Kayimbi. Moutou Akendaki, Kabila a créé la guerre pour distraire l'opinion, pour concentrer l'opinion, pour avoir l'opinion congolaise à la concentrer dans le Bitumba ya Est, pour moi à concentrer l'opinion ya peuple congolais, bas à la distraire dans l'insécurité pour élection et salimati. Le moteur des ADF Nalu, c'est lui qui est le chef des ADF Nalu. C'est lui qui fait que ADF Bazwa Minouki, c'était Delphin Kayimbi. Et qui fit Delphin Kayimbi? Général-major, lieutenant-général, chargé des renseignements militaires dans le quartier FARDC. Mais Moutou Akeko Sala, Moutou Akeko recruté ADF, Moutou Akeko Tcha, Moutou Aza, chef direct de ADF, c'était Delphin Kayimbi. Et Delphin Kayimbi, Moutou Atsinda qui est mission, Moutou Azwa qui Kayimbi a passé mission. Il y a recruté par ADF. Moutou a passé Kayimbi mission. Il y a recruté par ADF. Par ADF ou en abaz ou en indouki. Par banda Congo, j'ai un peuple congolais. Par banda Congo, quand il y a un congolais, mitou, c'était Kayimbi. Et nani a passé qui Kayimbi mission ou c'est Joseph Kabila. Delphin Kayimbi commence à recruter les ADF. Après qu'on recruté par ADF, nanou, a passé par mon indouki. Apesi bango ba machete baba na ko engorgé ba congolais nyonso wana a distraire opinion nationale nyonso wana a concentrer opinion nationale ba banga et le lot soki ba ADF bazadi tout ce que les ADF fait c'est le fruit de Kayimbi et c'est le fruit de Joseph Kabila ba tu bozo mitunda. Tu commis tout le monde. Mwanga Chuchu. Objectif de Mwanga Chuchu. Objectif de l'Est.
D'où est venu mon attitude? Parce que la bête est du solo à Adef. La bête est du à Adef, à côté de Nord-Kiv. Il y a Nord-Kiv, il y a Beni, il y a Mombasa, il y a Yirum. 2012, 2013, 2011, Adef Nandu, il y a Congolais. On a un bon Congolais. Mais 2015, elle, Congolais, elle a pression par Joseph Kabila pour attirer le pouvoir. Elle fait Kaimbi Moutoukena recruter tous ces ADF. Il y a quelques militaires, quelques combattants. Il y a Mouissa, Niamoussi, Basangani. Objectif, il y a Ezalaki. Élection et Salimati. Il y a des ADF Minduki. Baba na ko saboter ba congolais, baba na ko bomba ba congolais, baba na ko kata ba congolais bitu. Nde bitumba ya ba ADF na. Maintenant lelo. Bande ko ba congolais. Qui est David? Kamwa. Ba tro ba zolo ba di solo on en or qui vous baye bi déjà. Nani aza à la base, il a instrumentalisé la communauté ou la communauté Hutu, la communauté Nande, la communauté Nyanga. Le nom David Kamwa, qui est le conseiller financier de l'actuel gouverneur militaire, Peter Tshilwa. Aïe, il n'y a pas de instrumentaliser la communauté Emma, la communauté Nande, la communauté Nyanga, Moutou Aza à la base. Il y a créé des ordres dans ces communautés. David Kamwa, qui est conseiller financier et actuel gouverneur, Peter Tshilwa, n'est pas mon débat à la base. Bon, on est là-bas. L'insécurité à Beni. L'insécurité à Beni territoire, Beni ville. Batou Bazo Luka actuellement. Que la guerre continue. La guerre continue pour la Bango Basse vers vivre. Mais au moins, il y a deux thèmes. Dans les Guinées, Sabino, mes frères communauté Nande, mon frère communauté Hutu, mes frères Nyanga, soyez vigilants. Et qui est Jules? Jules Kabanda, ministre financier. Il fut le ministre des finances. Tant que vous ministre, ministre provincial des finances. Proche des lois, mon gars, tchou. Et on a quand même Sabine, ok. Insécurité à Est. Pour ainsi là, et ça bino moko bande konabiso. La communauté Nande, la communauté Nyanga et les Hutu. Nanor Kivu. Vous êtes prêts de mettre fin avec la guerre de l'Est. Et vous êtes prêts aussi de continuer cette insécurité à l'Est. Mwanga chuchu. Mwanga chuchu. Bakare minye o abana ki kogere. Parce que elle, bake, mwanga chuchu, il fit membre ya CNDP. Mwanga chuchu, membre ya CNDP. Mwanga chuchu en même temps. Aouti na katia RC de Goma. Na katia RC de Goma. Elle bake na San City. Mon adjoint est un membre de RC de Goma. Bakken à San City, il y a brassage, mixage et s'il y a un combattant, il y a RC de Goma tout bakri. Pas côté. À partir de RC de Goma, Minya Sakima, jugement Minya Sakima, mon adjoint est un pied
les miniers de Sakima, pour l'intérêt de et pour l'intérêt à Rwanda. Beaucoup comprendre ce qu'il y a. Mais c'est Jiri Kabanda, Azala qui ministre financier, à l'époque 2012-2013, 2011 même, 2006, dans Nord Kiv, ministre de la Finance, Kabila Tchakiye, a travaillé dans le gouvernement, professionnel dans Nord Kiv. Pour l'intérêt, il y a qu'on protéger mine à Sakima. Oh, les amis, il y a Edouard Mwanga Tchouchou, pendant que les miniers de Sakima, c'est plus pire que les Congolais. Ils ont produire, ils ont exploité les mines à Sakima. Et moi, mon amour, et qui n'a qu'à Rwanda. Et pendant, elle va longer la RC de Goma, et comme CNDP, ou Mwanga Tchouchou a continué à 4, il y a CNDP a commis député tout. Mais pendant que Jiri Kabanda, il était toujours ministre provincial de la finance, mais on a protégé, on a gagné 6 millions de dollars par mois. Et ces 6 millions de dollars par mois, on a gagné beaucoup, on a gagné beaucoup, et on a gagné Rwanda, et on a gagné pas Kagame. Donc, Jiri Kabanda, ministre de la finance provinciale, est mis pour l'intérêt du Rwanda. Et Mwanga Tchouchou prenait 6 millions de dollars pour l'intérêt et qui n'a qu'à wapi na Rwanda. Le lobe n'est qu'on a gagné par Congolais. Tokomi Tuna. Qui se connaît actuellement? Jean Mouissa Niamouissi. Est-ce que vous avez le lobe? Mouissa Niamouissi. A outi kwa zala ministre ya intégration régionale. A outi kwa zala ministre ya intégration régionale. Il est porté disparu. Mbouissa ni Amouissi est introuvable. Il est introuvable lui et sa famille dans Katana Kiv. Balongo lié ministre intégration régionale ya gouvernement Oyo. Chidi Tsumi na Tuluka. Et Azate. Parce que dans le gouvernement, ça m'a le compte de trois. Deux, pardon. Mbouissa n'est pas ici. Azalaki ministre, il y a intégration régionale. Et actuellement, je vais vous dire que Mbouissa n'est pas ici. Azat, Azomonanate. Azat, Wapi. Il est introuvable. Où se trouve Mbouissa Niamouissi? Au Rwanda ou comment? Mbouissa Niamouissi, Vital Kamerhe, Bahat Lukwebo, ne sont pas là. Ne sont pas là. Ne voit même pas la conservation du pouvoir de l'IDPS. Alors qui vous Kamerhe, Bahati, Mbouissa Niamouissi. Mbouissa Niamouissi. Ne sont pas là pour la conservation du pouvoir de l'IDPS. Mais Batoubalingi, tu as conservé le pouvoir de l'IDPS. Alors qui vous c'est pas le coup. Bako est un chef de l'État. Kamerhe Bahati et Mbouissa Niamouissi. Même Bindoule. Bako travaille pour l'IDPS et conserver le pouvoir. Mais elles vont travailler pour que l'IDPS quitte le pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui est bien besoin de Kanisa, que Bahati, Kamerhe, Bindoule, Baza on a pour IDPS et conserver le pouvoir dans Nord Kiv. Détrompez-vous. Pour ton réussir, mandat Oyo, il faut rester de siège et l'ongwa. Si du moins, à l'ongwa, Baza l'ongwa l'a battu tout dans le cabinet. Il y a gouverneur Peter Sirimwami.
Toi, il y a un toi contrôler Nord Kivu, toi contrôler l'Assemblée provinciale. Parce que partout, tout le monde a un cabinet à Sirimu. Il y a Sirimu, ami. Y compris Kamere, y compris Paloukou. Y compris Kamere, y compris Bahati. Bazo mon a tes conservations à pouvoir à IDPS. Et bah qu'on l'inga jamais. IDPS a yé ba province stratégique. La province stratégique, il y a République démocratique du Congo. Province moko très stratégique, il y a Congo. C'est l'Est, Nord Kivu. Dès que l'IDPS prendra la contrôle, il y a province, il y a Nord Kivu. Donc on yé ba nini le kakanakat à Nord Kivu. C'est là maintenant, fin la guerre, il y a Est. Mais pour conserver le pouvoir, d'abord, première des choses, il faut te maîtriser province à Nord Kivu. Le lot, Bitumba ya Bawazalem, Bawazalem de Obaza engagé na front, Bawazalem de Obaza qu'on maîtrisait, Oba yemi réalité, vraie version de la guerre à Est. Et ça, c'est un peu comme ça. Les Kagame, tout le monde a dit, où se trouve Mbuisa Nyamwisi? Mbuisa Nyamwisi se retrouve actuellement à Zana Kigali. Et chute, il y a Kanyabayonga, et ça, Mbuisa Nyamwisi. Antipas, Mbuisa Nyamwisi, qui connaît vrai shit ya Kanyabayonga. Shit ya Kirumba, c'est Antipas Mbuisa Nyamwisi. Batu basali ete Kanyabayonga ekwela. Batu banako teka plan ya guerre est. C'est Antipas Mbuisa Nyamwisi. Pona intérêt na ye, parce que a continué kozala la ministre. Tamuka balongoli est gouverneur, ministre ya intégration régionale. Kanyabayonga shit. Et lui-même et sa famille, Baza est retrouvable. Baza api. Pendant que Koto est chef de l'État, alors il n'a qu'on négocié dans la M23, il n'a qu'on négocié. Beaucoup de tout, non. Discours, il y a un petit pas, si vous avez un comme ministre d'intégration régionale. Et c'est là qu'il y a. Il faut que tu sais qu'il y a un petit pas qu'on négocie dans la M23. Discours, il y a un leader politique qui est Nord Kivu. Il y a un hypocrite vis-à-vis du chef de l'État. Le leader politique qui est Nord Kivu. Il y a un leader du chef de l'État comme si il aime Tshisekedi, comme si il y a. Mais ce sont des leaders politiques qui sont Nord Kivu, vieux Wana, qui sont à la base de la guerre à l'Est. Discours, il y a un leader tout ezani. Bon, mais ça n'a pas. Kamere a mis prison. A quel tourné à Maninaye? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi discours n'a pas Ezalaki? Il y a qu'on négocie dans le même 23. Pourquoi discours n'a pas Ezalaki? Tu sais qu'il accepte de voir, il y a un dialogue dans le même 23. Même discours y a Kamere, même discours y a Bahati, même discours y a Antipas Mbuisa Nyamwisi. Pourquoi? Bah toi, bah Télémi. Tant qu'il y a une guerre dans Rwanda, et ça, ma jeune leader, ma honorable Eli, qui est le leader de PES, Eli de Beni, le seul député national aux deux années, Eli de Beni, honorable Eli, Tomoni Bona, le jeune politicien, Oyo Tomoni, ministre d'État, Yabita, ministre d'État, Yabita, parmi Bato Bapoy, parmi les gens qui sont dans Bitumba. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'était Paloukou. Julien Paloukou. Julien Paloukou, mon tout à Télémi. Alors, il était, je ne vais pas négocier dans le M23. Exacté. Julien Paloukou, Kaonga. Alors, il n'y a pas de question de négocier dans le M23. Et les lobes congolais. Elle va aux allées de bazar frapper ma M23. Elle va aux allées de babali qu'on récupérait ma territoire. Elle va aux allées de balobi était chef de l'État qu'on négociait dans Bangoté.
était ce grand leader politique de Nord Kivu? Quel est ce leader politique à Nord Kivu? Oh, Atelemi! Leader politique à Nord Kivu, oh, Atelemi, a l'homme de te négocier dans Rwanda. Boye Bisabiso, il s'appelle qui? Tous ces vieux leaders politiques à Nord Kivu. Balégui Bitoumbe Silate, oh, mais je n'ai pas le coup. Leader notable oh, a tel misi aket a mobilisé communauté Nande a mobilisé Banyang mutu a tel misi la communauté Nande est à la ini autour du chef de l'État. Il s'appelle Gilles Paloukou. Mutu oh, a lobi ete la communauté M, la communauté Lendu, la communauté Nande, la communauté Basangana autour de Félix Tshisekedi. C'était pas Antipasi Moussana Moussi, ni tété qui que ce soit, mais nous devons atteler tous les communautés, tous les notables du Nord Kivu, autour de Félix Tshisekedi, pour mettre fin à la guerre à l'Est. C'est Julien Paloukou. Julien Paloukou, pendant la campagne, a dit qu'on négocie dans Rwanda des athées. Ma kamba ko sola na ba M23 ezate. Ma kamba ki que ce soit, to biso nyoso tu to mobiliser ba moyen qu'on achète les armes. Pour que cette guerre à est. C'est qui? C'est Julien Paloukou. Et Julien Paloukou parmi partout oh ba mes mêmes chefs de l'État majorité. Parmi partout ba qu'on réconcilie toutes ces communautés. Que ba wazalem de tout ba ya autour de Félix Tshisekedi parce que ils ont vu la sincérité de Julien Paloukou. Et Félix Tshisekedi, raison pour laquelle a nommé trois fois ministre n'a plein à industrialisation de la République démocratique du Congo. Réforme pour industrialiser le Congo, c'est le plan de Julien Paloukou. Le lot au Aïe, le lot au Congolais, celui qui a dit article 182, il y a transbordement, c'est Julien Paloukou. Et pourquoi ces gens-là? Parce qu'il y a un moyen, il y a un certain député, pourquoi a-t-il aimé la Julien Paloukou? Honorable Bidoule, Paloukou c'est ton frère. Paloukou c'est ton frère. Et c'est meilleur, le meilleur élu. Il y a Nord Kivu Mobimba. Il y a Grand Kivu Mobimba. Il s'appelle Gilles Paloukou Kaunga. Qui ne savent pas. Et Ayeli, chef de l'État Birek, Tshisekedi a nommé ministre du commerce extérieur. Et Tshisekedi a sali Paloukou. Et a commandé au représentant de Félix Tshisekedi. Dans le contrat Sikomi, contrat chino-congolaise, dans le FOCAM, tout le monde dit que Tshisekedi a pèsé Paloukou. Paloukou n'est pas là pour nuire Tshisekedi. Paloukou veut accompagner le chef de l'État. Et Paloukou, le long de Azolinga, il ne pèse et conserver le pouvoir dans le plus longtemps possible. Et parmi les gens qui ont aidé Tshisekedi, dans la réforme de la Constitution, dans la révision de la Constitution, Birek est parmi. Parmi les partis politiques ont été les mis, tout ont révisé la constitution pour Tshisekedi a bongi sa mboka oyo, assis sa guerre à l'Est. Paloukou est parti naye otobengi Birek. Merci beaucoup, lelo oyo, bande konanga ba Congolais. Tous à la autour, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, ton aidé chef de l'État, pour mboka na biso et kende liboso. Biso nyo surtout, toute communauté, M, Lem, Banande, Babal, Bacha, tout le monde autour de Félix Tshisekedi. Le lot moni ba wazalendo détermination na bango. Et les wazalendo sont déterminés. Tokota Est, tokota Rwanda. Kani abayonga tozo récupérer yango. Bon moni ete kaka wazalendo moko. A paniqué. Paul Kagame. Wazalendo moko. A paniqué Paul Kagame na Rwanda na ye. Narubavu. Nde bomoni, fumée noire autour de Kagame. Kagame azoye bate ba generone alongoli. Ba generone aye alongoli. Ba ngomoko. Ba generone alongoli. Ba telemelie. Ba telemelie pour Kagame. Ye abangini. A Bengani ba officier na ye, a Longoli bango, mais les mêmes officiers ont yé à Bengani. Et yine liye. Nanya zo bangi sa ye. Tangu to ye bisa ki bino, ke Tshisekedi, a monstre a moutouté. Et Tshisekedi, c'est l'homme que Dieu a envoyé pour que Congo est à la sauver.
Mutu onza matindeli biso. Tolo mwana bohumbu. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi nako negociété. Elle est l'oyo. Détermination chef de l'État, détermination mou kwantombolo. Bomoni, c'est 33 pays. Oyo eye. Kotombola ekolo. Les 33 pays oyo eko exporté. Ba produit na yango te kango na Chine. La République démocratique du Congo est parmi. Et ces 33 pays. Otoko te kaba produit na biso manufacturé na Chine, toko ponte kaba produit na biso agricole na Chine. La République démocratique du Congo est parmi. Tu côté cacao, tu côté caoutchouc, tu côté soja, tu côté banana, tu côté avocat, tu côté basaf, tous nos produits agricoles. Donc mon chef de l'État lobby, marquage au sol, du sol au sous-sol. Du sous-sol au sol. Tu as côté ce qu'on va produire dans biso agricole. Donc mon Chine et son président bandimi ba produits congolais étaient comme en Chine. Zéro douane. Zéro douane. Nos produits seront vendus en Chine avec zéro douane. Grâce à mon âme et à la détermination, il y a mon Kwantombolo, détermination à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Et président Wana, au bas Congolais, nous sommes battus limités. Au bas Congolais, nous sommes tout. Tu peux signer confiance. Confiance au Congolais, ma paix, mon Kozamoka. Détermination au Congolais, nous surtout, ton lobby était toi accompagné. Être quoi accompagné, vision à y est. Bisso au Congolais est comme ma vision à Bisso. Et Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Oh, yépé. Ensemble avec nous, les Congolais, ton lobby était toi accompagné, président de la République. Na ba réforme o mon konzambo kazo mené. Parce que ba réforme o mon konzambo kazo mené, yango de eko permettre mboka na biso etongwa. Yango eko permettre kita ya ekolo na biso e mata. Ndelelo. Tous les Congolais nous sommes déterminés. Tous les Congolais autour du chef de l'État. Lelo. Bana mboka. To aider mon konzamboka. Bana mboka. To sunga chef de l'État mboka na biso ekende liboso. To kosunga yenini. Bande konanga ya est. Première o eza détermination mon konzamboka na manda o. Eza nini to sili sabitumba est. Parce que komba ya est. So ke sili. Na biso moko. To komona ke ekolo na biso ekokende liboso. Bitumba o ezo bundi o eza na est. Il faut que l'on ait bitumba na esila. Tosi lisa bitumba. Bitumba o so ki tosi lisi yango. Toko tonga est. Mais bande kona biso la communauté ema. Bande kona biso banande. Bande kona biso banyango. Bande konyo so tu. Utu. So ki to ye. Autour du commandant suprême, autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu accompagné yé. Na ba réforme o amemi, na vision o azana, na détermination o azana yango. Bitumba wana to kosil samolelo. Mais sont des leaders politiques. Ba leader politique ya Nord Kivu, ba leader politique ya Nord Kivu, ne baza à la base. Ya bitumba na est. Ba leader politique, il y a grand Kivu. Surtout ba leader politique. Les politiciens de l'Est qui sont à la base de cette insécurité. Tu comprends, Bino. Pour notre intérêt, Bino, vous ne voulez pas que le pouvoir de Tshisekedi puisse être conservé. Tu es Bino. Nous sommes Congolais, tous unis ensemble. Autour du commandant suprême, Tosi Lisabitumba, il y a Est, il y a Mboka Nabiso. Plus 243 89 86 52 097. Plus 243 89 86 52 097. Ciao, à la prochaine.
Mm-hmm.